Cher journal, nous sommes en pleine période d'épidémie. Je ne sais pas comment me lancer, mais il faut bien commencer quelque part. Moi, c'est Léna, j'ai 20 ans. Et j'ai pour ainsi dire rien de spécial, mais ça n'a pas d'importance. On a emménagé dans une nouvelle ville pour soi-disant changer d'air, pour mes études. Et mon psy m'a forcé à tenir ce journal, qui me permettrait de m'exprimer. Je suis censée écrire quoi dedans ? Bon, un tas de choses, hein. Mais d'abord, j'aimerais que tu me parles de ton nouvel établissement. Il m'a l'air plutôt sympa. Ah, super. Je suis arrivée à Saisy cette année, dans l'un des 25 campus de cette école d'ingénieurs. Pourquoi cette école ? Pour l'A2P2, aka la pédagogie par projet. Méthode d'apprentissage où il faut faire face à un problème que l'on doit résoudre en équipe. On a à notre disposition pas mal de moyens technologiques, au-delà de notre corps enseignant. Imprimante 3D, découpe laser métaux, salle de réalité virtuelle. Vous l'imaginez ça ? Ma meilleure amie, c'est Anna. On a intégré la même école. Elle était là quand j'ai appris pour mon père. C'est à cette période que j'ai réalisé que je n'avais jamais eu de meilleure amie avant elle. Et voici mon voisin, Josh. Il est un peu spécial, mais bon, on l'aime comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a des vues sur moi. Carrément gênant. J'ai intégré cette école en alternance, me permettant ainsi d'avoir un petit salaire pour mes 3 années d'études. Confrontée à l'entreprise et à ses enjeux, obligée de s'y adapter et de sortir de ma zone de confort, ça n'a pas toujours été facile. Mais je sens que je progresse. Cher journal, je n'aurais jamais pensé que le CESI puisse changer à ce point ma vie. Travailler dans l'automobile a toujours été un rêve pour moi, mais je ne savais pas comment y arriver. J'ai plutôt de la chance d'être guidée pour réaliser mes projets de vie, et ça, ça n'a pas de prix. On ne vous laissera jamais perdu sans savoir comment être acteur de votre parcours. Pour mon stage à l'étranger, j'aimerais partir à New York, 3 mois, visiter cette ville incroyable et surtout, progresser en anglais. Le TOEIC, ce n'est pas négociable. Et la dernière année sera le moment de choisir notre orientation professionnelle. Et pour cela, nos options. Découvrir un nouvel univers, l'alternance, les projets, l'accompagnement et des personnes incroyables. Cher journal, à Saisy, tu en sors plus grand. Avec ton diplôme d'ingénieur en poche, tu seras fin prêt pour ce monde qui t'attend. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attends. One day you go.